Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dernièrement j'ai fait des achats chez Nike, chez Jennifer et chez Monki. Ça fait hyper longtemps que j'avais pas fait d'achat chez Jennifer parce qu'en fait je trouvais jamais rien qui me plaisait. Je trouvais que ça faisait trop ado et tout ça. Et il y a pas longtemps, par hasard, j'ai fait un tour sur le site, il y avait des promos, alors j'en ai profité pour faire des achats. Je vous montre tout ça. Donc en premier, chez Jennifer j'ai acheté un pyjama Disney. Donc j'ai pris un pyjama Mulan avec le t-shirt comme ça et un petit short tout basique gris. Il m'a coûté 12,99€, donc je trouve que c'est assez raisonnable pour un pyjama d'été. Généralement j'achète mes pyjamas chez Undies, je sais pas comment on dit. J'adore les pyjamas Disney, tout ça, je trouve ça trop cool, c'est un peu mignon, tout ça, c'est cool, voilà. Chez Monki, j'ai acheté pas mal de choses. J'adore ce magasin et cette boutique parce qu'ils font des coupes vraiment top. C'est des coupes qui changent assez des autres magasins, je trouve, et ils proposent souvent des imprimés hyper cool. Et les prix, c'est assez abordable, même hors promo. Cette fois-ci, j'ai acheté que des choses en promotion, dont cette robe trop belle. Elle est assez longue, à cœur. Vraiment, il y a plein de détails, elle est resserrée à la taille et la matière est super fluide et hyper légère, c'est trop agréable à porter. Je crois que c'était dans les 12€, en tout cas moins de 15€, et je l'ai pris en taille S. Ce que j'aime bien chez eux, c'est que ça taille vraiment bien et on n'est pas serré, genre je prends mes tailles habituelles et j'ai jamais de soucis. Ensuite, toujours chez Monki, j'ai pris une combinaison, vous verrez mieux ici, portée. Mais en gros, c'est une combinaison à manches longues. Il y a un petit nœud à la taille et les jambes sont pas mal évasées. Et elle est juste mais trop agréable à porter. Elle rend trop bien, elle est trop belle. C'est le genre de coupe que j'adore. Genre là c'est la tenue parfaite pour rester à la maison. Même pour sortir je trouve c'est trop cool. Si t'as la flemme de chercher une tenue entière, bah paf, la combinaison c'est le bon truc. T'as pas besoin de chercher un haut, un bas, nanana. Je l'ai pris en taille S ou M, je sais plus, en taille S, et vraiment je suis pas du tout serrée dedans, mais vraiment elle taille trop bien, je l'adore. Toujours chez Monki, j'ai pris un petit crop top, j'en porte de moins en moins j'avoue, mais j'ai trop craqué sur celui-ci, surtout pour l'inscription qu'il y a dessus, qui est notée artiste féministe. Et il me semble que c'était même pas 3€. Il est super mignon en beige comme ça, c'est une couleur que j'ai pas du tout. Et il est un peu ouvert très légèrement sur le côté. On retourne chez Jennifer et j'ai trouvé ce sweat. C'est à partir de la vue de ce sweat que j'ai fait une commande en fait. C'est un sweat Disney, donc vous allez voir que j'ai pris beaucoup de Disney chez Jennifer. C'est un sweat gris, donc déjà j'adore les sweats gris, en plus il est un peu gris chiné. Devant c'est marqué Family Portrait, et en fait c'est surtout pour le derrière que j'ai craqué. Il est juste mais trop cool, j'adore les sweats avec des imprimés derrière. En plus il coûtait 12€ en promo, donc je trouve ça hyper raisonnable. Il est tout doux dedans, donc ça c'est trop cool. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il est assez oversize. Et j'aime bien les sweats qui sont pas trop collés près du corps. Enfin, le but d'un sweat, c'est d'être à l'aise dedans. On continue chez Jennifer et j'ai pris ce petit pull Mickey. Je le trouvais trop mignon. Cette fois-ci, je l'ai pris en taille M. Le sweat, je l'ai pris en taille M aussi. Ce petit pull-là, il est mais juste trop mignon. Je trouve qu'il a un petit effet vintage, genre vieux pull moche. Et du coup, moi, j'adore. Il me semble que c'était dans les 12€ aussi, c'était pas très cher. Du coup, c'est des petits Mickey tricotés. Il taille très bien, il tombe très bien. Il est assez large, donc moi c'est des coupes que j'aime. C'est un peu la fin de saison pour le porter, mais pour traîner à la maison en attendant de pouvoir sortir, c'est une bonne idée. Toujours chez Jennifer, j'ai pris un jean. Donc les jeans et moi c'est un peu compliqué parce que j'arrive difficilement à trouver des coupes qui me vont. Soit ça va, mais au niveau de là ça passe plus, ou mes fesses passent plus, ou ça ferme pas ici. Ou alors quand ça me va ici, ça paille vraiment derrière et du coup c'est pas beau du tout. Déjà j'ai du mal à reporter des jeans slim ou skinny, genre je supporte plus. J'aime bien être à l'aise dans mes pantalons, que ça soit assez large, limite évasé en bas. Là j'avais vu un jean coupe mom boyfriend, large en bas et en plus Mickey. Du coup bah j'ai craqué. Il est en promotion à 22 ou 24€, il y a 30€ je crois. C'était pas une promo de folie, mais je me suis dit que pour un jean ça passait. Niveau taille, j'ai hésité entre 36 et 38 et je me suis dit qu'il valait mieux prendre 38 au cas où. Au pire, je le porterai large. Et j'ai bien fait parce que 36, clairement, je serais pas rentrée dedans.
Je pense que Jennifer, faut prendre en compte qu'à la base c'est un peu une marque pour adolescente. Donc du coup je pense qu'il vaut mieux s'assurer de prendre une taille au-dessus que ne pas rentrer dedans. Donc le jean est vraiment super beau. Déjà rien que la couleur est top, la coupe est vraiment super jolie. Là en bas, là on a un Mickey. Et derrière c'est noté Mickey Mouse en bas. Et vraiment il taille super bien. J'aime bien aussi ce que c'est effilé en bas. C'est une coupe très années 80-90 je dirais. Et vraiment c'est le genre de coupe que j'adore. Je trouve ça fait des belles fesses, ça fait des belles jambes et on est à l'aise dedans. Donc que demander de plus? Chez Monki, j'ai pris plusieurs t-shirts qui me plaisaient, dont celui-ci aussi, qui a un peu effet brodé alors que c'est juste du truc comme ça là, je sais pas comment ça s'appelle. C'est des petites fleurs, c'est marqué Live Your Truth. Et je l'ai pris en taille M. Il me semble que c'était pas cher non plus, 3-4 euros. Et vraiment, leur t-shirt il taille trop bien. Là, c'est un M et vraiment, il est bien loose et tout. Pour mettre dans un jean, c'est parfait. Toujours chez Monki, j'ai pris un autre t-shirt qui est cette fois un peu un vieux rose avec noté dessus Salute Sisterhood. C'est juste pour ça que je l'ai acheté, j'avoue. Je trouve que c'est assez discret. Par contre, cette fois, je l'ai pris en L. J'aime bien avoir des t-shirts vraiment larges aussi. Donc du coup, rentrer dans un pantalon, c'est assez sympa. Et pareil, c'était 3-4 euros, il me semble. Et j'ai pris un pantalon à pinces. J'adore les pantalons de leur collection. Il est marron avec des petites taches blanches. On voit vraiment les pinces là, je trouve ça trop beau. Ça fait un peu pantalon habillé, mais on peut aussi le porter de façon décontractée avec des baskets ou des choses comme ça. Et du coup, il est droit. Je l'ai pris en taille 36 et il me semble que c'était 9,99€. En tout cas, il est trop confortable à porter et j'adore la couleur, ça change. C'est une couleur que j'ai pas l'habitude de porter en plus. De retour chez Jennifer, j'ai pris un t-shirt et j'avoue que j'ai été influencée par Lena Situation qui a exactement le même. C'est un t-shirt Friends, je le trouvais trop sympa. Pareil, la coupe elle est hyper cool, je l'ai pris en M, il est assez loose, enfin pas près du corps. Les manches elles sont cousues, retournées. Et là c'est trop mignon, il y a une petite étiquette avec un homard. Chez Monki, j'ai pris un pull vert fluo, vert anis. J'aime bien la coupe avec les manches un peu resserrées, ça fait un peu des manches bouffantes. Et vraiment la couleur est trop jolie, la maille est trop belle et de super qualité. Je l'ai pris en taille S et il taille parfaitement bien. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, ce pull est super. Et il me semble que c'était 12,99€. Et enfin chez Monki, j'ai pris un pantalon droit, élastique à la taille. Il est bleu marine avec des petits pois blancs. En fait, j'avais déjà ce modèle en vert avec des carrés, des pois noirs. Et vraiment, j'adorais la coupe. Je l'ai portée tout l'été et le printemps dernier. Et quand j'ai vu qu'il y avait cette couleur-là en promo, donc à 9€, bah j'ai tout de suite craqué. Je l'ai pris en taille 36 comme celui que j'avais. Et vraiment, j'adore. Ils sont trop bien ces pantalons. Vous avez des petites poches et tout. Et c'est assez léger, c'est fluide comme matière. Du coup, c'est super agréable à porter. Et enfin, nous allons finir avec Nike. Alors dernièrement il y a eu pas mal de réductions sur Nike, du coup j'en ai profité. J'ai pris un sweat comme ça, corail. C'est pas forcément la collection femme, je pense, il me semble que c'est unisex. Et je l'ai pris en S et du coup il est mais trop cocooning et il est tout doux à l'intérieur, j'adore. Je l'ai payé 37€ au lieu de 50€. Et on termine avec les chaussures que j'ai achetées chez Nike. Donc j'ai pris deux paires, une première quand il y avait moins 25% et une deuxième quand il y avait moins 30%. Si vous aimez vraiment Nike, tout ce qui est streetwear, sneakers, même sweat et tout ça, je vous conseille de suivre Camino TV sur Instagram. Ils partagent tout le temps des promotions dès qu'il y en a, dès qu'il y a des codes promo. Là, c'est grâce à eux que j'ai chopé tout ça sur Nike à pas cher. Ils font des samedis promo, je crois. Donc tous les samedis matins, ils font des petites stories avec toutes les promos à suivre de la semaine et de en ce moment même. J'ai acheté une paire de Air 8. 8 8 Bref. Je les ai payées en promotion 39€. Donc elles sont blanches et violettes. On peut penser que ça ressemble à des baskets de prof de sport. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Mais j'adorais en fait leur côté hyper vintage. La shape de la chaussure, elle fait très années 2000 voire 90. Et vraiment ça j'adorais. Elles sont hyper confortables en plus. Et je trouve qu'au pied elles rentrent super bien. Et par contre il y avait plus 37,5, donc ma pointure habituelle chez Nike. Donc j'ai fait un peu de recherche et tout. Et j'ai vu qu'elles taillaient petit, donc je les ai prises en 38,5. Parce que j'hésitais entre 36,5 et 38,5. Donc je les ai prises en 38,5. Et si c'est un modèle qui vous plaît, je vous conseille de prendre une taille au dessus parce que là, elles me vont pile poil, je pense que 37,5, ça m'aurait pas été. Donc vraiment, bon achat, je suis contente. J'ai hâte de pouvoir les porter dehors, parce que pour l'instant, je les porte pour aller du salon à la chambre. Voilà. Et ensuite, j'ai pris une autre paire, donc c'est des P6000. J'avais déjà un modèle en doré que j'aimais beaucoup. C'est un modèle qui est assez souvent en promotion, donc ça permet d'avoir des paires pas trop chères. Cette fois, je les ai payées 49€. Et elles sont grises avec des détails violet, bleu et les lacets jaunes, orange et blanc. Vraiment, je les avais jamais vues dans cette couleur-là, donc je me suis dit que ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de porter niveau couleur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'on verra le changement de qualité vidéo parce que j'ai investi dans cette caméra. Donc vraiment, je suis super contente d'avoir fait ce petit investissement. Le fait d'être confinée, ça m'a permis de pas dépenser trop d'argent et du coup d'avoir assez pour me payer la caméra que je voulais. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Il y a plein de vidéos qui arrivent. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Bonne matinée, suivant quand vous regardez cette vidéo. Bisous!